Bonjour, bienvenue pour cet épisode 8 d'Entre l'Espèce sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai pas fait toutes les quêtes. Il m'en manque 4. 4 combats, alors. J'avoue qu'en fait, les grandes fées, je me suis dit, je vais peut-être attendre parce que, en vrai, on voit pas ce que c'est. Il y a un ennemi, on voit pas. Donc, je suis curieux. Après sinon il y a eu une quête, juste je voulais revenir dessus vite fait, parce que en vrai je me demande si elle correspond pas à une des cinématiques qu'on a dans Breath of the Wild. Elle doit être par là. Voilà, oui, bah c'était celle-là, Chevalier Servant Zelda, parce qu'en gros c'est une quête où t'as Link, tu accompagnes Zelda et tu te fais attaquer par des Yiga, ce qui me rappelle très fortement une cinématique de Breath of the Wild en fait. Donc voilà. Donc je me dis que c'est potentiellement lié. Alors juste, je veux améliorer deux trois trucs. Déjà ça. Ok. Voilà. Petit combo du plaisir. Et Necluda qui est content. Pas la zone. Non mais... c'est infini. Aïe aïe aïe. Mais c'est très bien. En vrai, tant mieux. Mais... Alors par contre, oui, il y a un scandale. Par contre, il y a un truc qui est scandaleux. Oui, on va prendre ça, on aura plus de peinture. Bien joué. Voilà, plus de couleurs. Ce qui fait que... Par exemple... Ah, j'ai débloqué le violet et le vert. D'accord. Voilà. Très bien. Sachant que... Ah, j'ai des tenues en plus, là. J'ai une tenue... Ah bah, ça doit être ça. Bon, bref. Hop, bon, ça c'est une jolie save pour Impa, c'est bien, hein, mais si, moi je préfère prioriser les combos, quoi. Oui, oui, ah oui, d'ailleurs, emplacement pour les armes, juste on va faire ça, et ensuite on va faire la fée, quand même important pour Link. Information sur les Korogu disponibles, ah bah voilà, je me demandais... Très bien, ça c'est cool. Sinon on peut faire cette grande fée là en fait. Sachant qu'il n'y a que 3 grandes fées. Bon, on va faire cette grande fée. Avec... Ah oui, je me suis rendu compte d'un truc aussi. Je suis un peu deg. Attendez, on va prendre Urbosa. Parce que c'est Urbosa, c'est flagrant. Regardez cette arme. Donc ça c'est son arme de base, c'est son arme de prodige, tout ça, tout ça. Regardez les dégâts de cette arme niveau 1. Donc en fait, je me suis dit, je vais améliorer les armes des prodiges parce que voilà, mais en fait, voilà. Hein. D'ailleurs, c'est comme, je vous annonce, hein, la Master Sword, c'est pas la meilleure épée du jeu. Hein. comment dire, voilà. Il y a un niveau d'écart, mais... Sachant que bon, j'ai fait n'importe quoi au niveau des sauts, je m'en suis rendu compte, mais bon, bah c'est trop tard, et voilà. Ok. Non, on va attendre. On va juste, du coup, faire ça avec... Avec Daruk, parce que je crois que je l'ai pas beaucoup pris, au final, dans le let's play. Donc bon, let's go. Let's go. Quoique, Zelda, je me demande si je l'ai pas encore pris encore moins. C'est possible, en fait. En fait, c'est possible. Bon, du coup, on va voir ce que c'est, cette histoire de grande fée, là. Lui, déjà, il en manque une. Qui est... C'est laquelle, d'ailleurs, qui manque? Bah, c'est celle de côté d'Akala. Oui. Je crois. Oui, parce qu'il me semble qu'il y a celle de Tabenta. Il y a celle des Gerudo. Il y a celle de la plaine. Que j'oublie à chaque fois, d'ailleurs. J'oublie sa position à chaque fois, elle. Ouais. Mais non, mais attendez, celle de la plaine, c'est celle du village... C'est celle du village Cocorico? Attendez là. Comment ça? C'est vrai que je capte que maintenant, mais comment ça une grande fée à la plaine là? Hein? Bon. Non, il faut maintenir. Ouais, et là on fait un carnage.
Ouais. Ouais, ouais. Toujours un excellent timing, en tout cas au niveau de l'esquive, ça ne change pas. Ouais, ça change pas. Et pourtant, il y a des missions, il faut pas se faire toucher. Hein. Et pour l'instant, j'y suis arrivé, quoi. Hop. Ok. Ouais. Non mais... Oh, oh, il m'embête. Non, non. Comment ça, ça passe pas là? Comment ça? Ça, ouais, ça je peux pas cancel son animation pour faire d'autres coups à la place. Au Cinétis. D'ailleurs, oui, quand j'ai dit que le Cinétis était évolutif, je sais pas quel perso j'avais. Hein. Parce que, en fait, les dégâts de Cinétis, non, sont pas évolutifs dans ce jeu. Je sais pas. D'accord, ramasser des rubis, hein, c'était ça mon objectif. Hein. Alors quoi que je lui en donne des rubis à la grande fée là. M'inquiète, mais qu'est-ce que c'est ça. Ah oui, salut toi. Moi aussi je peux faire ça. Ouais. Mais non, mais... Esquive, s'il te plaît. Esquive dans ta vie. Bon, là, j'ai pas esquivé. Ah, celle-là, je l'avais jamais fait d'attaque. Aïe. Non, mais... Voilà. Pas encore mon coup fatal. Mais ça doit être le nouveau coup que j'ai débloqué, ça. Mais non, mais... Merci. Ouais. Trop tard. Mais bon. Merci. Comment ça j'ai découvert des coffres? Comment ça des coffres? Où ça? Là. Hein. En tout cas, c'est pratique pour faire des rubis, hein. Ces missions. Hop, level up. Toujours cool. Je crois que j'ai tous mes persos niveau 26, du coup. Minimum. Ben, ça va pour l'instant, j'arrive à peu près... Non mais... Tu veux pas... Ah, il peut pas lui faire de Saumuro? Mais si, il peut en faire. Il peut en faire qu'avec son magma. Enchaînement. Attendez. De deux choses l'une. La grande fée. Bon, la grande fée est un boss. Bon, en vrai, c'est ce que je me suis demandé quand j'ai vu l'ombre. Est-ce que la grande fée est un perso? Mais à ce moment-là, il y aurait toutes les grandes fées. Mais celle-là, c'est celle de Cocorico, celle-là. Il me semble, hein, la grande fée Cotura.
Bon, je revérifie. Non mais si la grande fée est un perso jouable. Ils l'ont fait hein, dans l'autre Hyrule Warriors hein. Mais si là j'ai pu. Non mais au secours. À ceci dit, elle a des catchphrases et tout hein. Aïe. Bon, tu m'as saoulé. Là c'est bon non? Mais là ça va être bon. Bam. Eh mais oh non, je pouvais casser ça. J'ai pas cassé. Brum 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 brum. Bon. Et du coup, je voulais être sûr de si c'était bien une grande fée qu'on affrontait. Et oui. Oui, effectivement. Bon, bah voilà, d'accord. Très bien. Très bien. Par contre, où est la dernière? Moi, je veux trouver la dernière grande fée. Après, ça se trouve, il faut juste faire les trois autres fées pour avoir la dernière. Ou... Non, j'ai pas débloqué. Hein? Pourquoi mon bestiaire il s'est mis à jour mais il s'est pas mis à jour? Enfin, c'est Noya que j'ai eu, mais Noya je l'avais déjà. Sachant que voilà, Proa et Pharas ils ont pas de silhouette. Du coup j'ai un petit doute si c'est des persos jouables finalement. C'est vrai que je pensais que ce serait des persos jouables mais... Oui. Non mais au secours. Bon ça toutes les missions, non mais... Bon d'accord, je sais pas ce que j'ai débloqué dans la galerie hein, mais je l'ai débloqué, sachez-le. Ok, très bien, Noya. Combo pour Noya, on prend. En vrai, je vais tout prendre, hein, mais... On priorise. Et on avait dit qu'on faisait la quête, hein. Parce que, voilà, ça fait, hein, voilà. Alors du coup, bon, Link. J'ai toute confiance en toi. En vrai, ceci dit, parce qu'en fait, moi, je veux envoyer Urbosa, parce que là, c'est éradication du gang des Higa. Donc, j'ai envie d'envoyer Link quand même, mais j'ai envie d'envoyer Urbosa, mais j'ai envie d'envoyer Impa. Allez, j'y vais. Donc, je fais comment là? Donc, je crois que Link a des os, hein. Des os, pas des os, hein, mais voilà. Hein. Tant pis, hein. Let's go. Grâce au tour Sheikah restauré dans toutes les régions, Zelda et ses compagnons pouvaient rassembler instantanément des informations de tout le royaume sur leur tablette Sheikah. Sans perdre de temps, Proa mit cette fonctionnalité à profit afin de localiser les repères du gang des Higa et des monstres. La bosse. Pour prévenir tout assaut contre le château d'Hyrule, Urbosa décida d'entreprendre une mission de recherche et de destruction des ennemis à bord de la créature divine Vanaboris. Bah, vous voyez, non mais j'ai bien fait de... Hein? Voilà. Bon, Impa... Si, Impa, c'est... Non, mais franchement... Voilà. Me demander comme ça de prendre les commandes de la créature divine, je vous jure. Mais bon... Au moins, ça me fera de l'entraînement. Bon, du coup, on va commencer avec une phase en créature divine. Visiblement. Oulala. Ah oui, ah, Vanaboris, c'est quelque chose. Allez, salut, hein. Par contre, ça arrive très tôt, je trouve, l'éradication du gang des Higa. Hein. Donc,
Ah, j'ai de la foudre. Boum, boum, boum. Je teste des trucs, hein. On savait, je teste des trucs, hein. Ah, salut. Par contre, c'est particulier du coup, vu qu'on a, on peut pas spammer là. C'est la première créature divine où on peut pas spammer toutes les attaques comme on veut. Badabam, badam. Allez, salut, hein. Ouais. Fonce. Le mieux, c'est quand même de foncer, hein. Ouais, ouais. Vous m'intéressez. Parce que quand tu fonces, en plus, t'es invulnérable. Ouais, salut. Ah. Chute du peloton. Et des FPS. Oula, 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 oula. On va se calmer, les FPS, hein. Ah oui, bon, ah. Boum. Bonjour. Un problème? Pourquoi ça se recharge en partie? Oui, effectivement, mon A va détruire ça, je confirme. Je confirme. Ah bah oui, on connaît ce passage, oh là là. Oh, 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 on se calme. Bon, on fait zéro dégâts, mais... J'ai eu peur. J'avoue, j'ai eu peur. J'avoue, j'y ai cru. Ah, on ne passe plus. Ceci dit... Ok, tu peux pas spammer. Mais du coup, le fait que tu aies un pas de charge comme ça, elle est un peu plus agréable, je trouve, au niveau des créatures à terre. Je pense qu'à terre, je préfère Vanaboris, et en général, je préfère Vamedo, pour le coup. La mission d'Urbosa se conclut sur un succès. Zelda et ses compagnons pouvaient témoigner de la puissance des tours Sheikha. Les exploits de Vanaboris avaient ouvert la voie vers le repère du gang des Yiga. Profitant de ce succès, nos héros décidèrent de prendre l'offensive et de se lancer à l'attaque. Mais... Il n'y a pas de mais cette fois, hein. Vous noterez qu'il n'y a pas de mais. Et que c'est là que ça va partir en couille. Ah ouais, j'ai vu, vous voyez, on peut faire ça. Alors ça sert à rien, mais on peut faire sauter le gardien. Et c'est tout. Ah non, je peux le déplacer avec les LR. Incroyable. Voilà. Est-ce que je peux sauter sur la tête de Link? Il s'en bat les steaks. Ah ouais. Voilà, super. Allez. On fait ce qu'on peut, hein. On s'occupe comme on peut. Mais non, mais en vrai c'est sympa du coup. Ils ont pensé à faire un petit truc. Mais attendez, là c'est un Korogu, ça. Bon. Ok, visiblement on a des unités infiltrées. Ok. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Ah ouais, on a un peu ouvert le repère, ouais. Ah, salut Link. Link, il garde la même tenue, hein, quand même. Il garde notre tenue, hein. En fait, je pense savoir. J'ai dû le taper en même temps, et du coup, j'ai vu des dégâts en plus que j'ai pris pour des dégâts du cinétisme, mais pas du tout. Attends, mais Messing. Messing, bon, c'est son père. J'ai remporté la victoire.
Non mais... Ah bah oui, on connaît ça. Enfin on connaît, je dis on connaît, mais dans l'esprit je crois qu'on connaît pas encore, mais... mais on va dire qu'on connaît, hein. Moi je connais. Voilà. Comment ça? Ah ouais. Ah ouais, on va prendre ça maintenant. On peut zoomer sur la mini-carte, le saviez-vous? Le saviez-vous, il y a un Korugu ici. Très bien. D'ailleurs, j'ai même pas regardé comment ça fonctionnait le truc de... modification des Korugu. Bon bah, je pourrais pas monter sur ma glace. Mais non, mais arrête de... arrête de faire ça trop tôt. Aïe. J'ai remporté la victoire. Ah oui, mais attendez, on a deux persos. D'un coup, il se rappelle qu'il a deux persos. Attendez, hein. Ah, pour l'instant, on peut pas avancer. Bon, on va pouvoir avancer sans. Non mais meurs. Bon, même les... on n'est pas au level conseillé, mais ça n'empêche que... n'empêche qu'on galère pas trop, non, hein, là, j'ai pas l'impression que ça a posé vraiment des soucis, quoi. Faut pas que je cancel au direct mon Synexis, par contre. Non. Mais... je me prends la flèche derrière, quoi. Au secours. Ah vas-y, attends. Vas-y, je tente un truc là. Alors pour moi j'ai paré, hein. Là j'ai paré. Ok. Ok. Alors maintenant. Impa, tu vas là. Il faut qu'elle bouge un peu. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est normal ça? On va dire que c'est normal. Hein. Et ça, c'est normal ça? Et ça, est-ce que c'est normal ça? Ah ouais, d'accord. Pourquoi ces pièges landent ici, là? Avec ça, bon. Non, mais... d'accord. Non, mais c'est ok. Ok, hein, j'observe, hein, je regarde. Hein. Comme là, d'ailleurs, il doit y avoir un truc. D'accord. Un jour je chargerai. Hein. Qui a fait ça? Saloperie. Ah mais c'est là où j'ai dirigé Impa. C'est ce qui me semblait. Hein. Hop là. Ouais, salut. Ouais, je sais pas si c'est le plus optim. Mais bon. Ça l'a tué. Hein. Je sais pas si je peux pas faire plus de dégâts encore avec le cinétis là. Je sais pas encore à quel moment il faut que je cancel. Pour le coup. Revali, oui, c'est simple, mais...
Les autres persos un peu moins. D'accord. C'est très gêne. Ouais. D'accord. Là c'est bouclier. Saloperie. Non mais... Voilà, merci. Prends son symbole. Non mais Impa, c'est abusé comme j'adore jouer ce perso. Je suis désolé, vous risquez de voir beaucoup Impa sur ce let's play. Mais vraiment, trop agréable. Juste trop agréable. Genre... De toute façon, pour l'instant, on va pas se mentir, hein. J'aime beaucoup le jeu. Bon, pour ce qui est de sa canonicité, on en reparlera quand on en saura plus. Mais même si je vais quand même partir pour l'instant de ce postulat-là, qui peut venir à changer. Attention, hein. Sur ce que je vais dire, ça se trouve, dans un ou deux épisodes, je vais vous dire « Ah bah non, c'est de la merde !» Finalement, voilà. Mais je pense que pour les parties avec le petit gardien, c'est pas canon. Enfin, en gros, le fait qu'il y ait le petit gardien, déjà, ça, c'est un truc qui n'a pas eu lieu normalement dans Breath of the Wild. A priori, hein. Parce qu'à priori, il y a des chances que ça change les événements et qu'on n'ait pas une mauvaise fin. Même si, j'avoue que j'aimerais bien quand même que ce soit pas une super happy ending, mais on verra. On verra bien. Mais par contre, tout ce qui est interaction entre les prodiges, vis-à-vis de Link, vis-à-vis de Zelda, etc. Il y a quand même, je pense, une grande part de choses qui sont canon pour le coup. Genre, par exemple, le fait que voilà, Zelda qui jalouse entre guillemets Link via sa facilité, le dialogue qu'on a eu entre Urbosa et Zelda, typiquement. Ça, je pense qu'on peut considérer ça comme canon. Je me trompe peut-être. Hein, voilà. Mais voilà où j'en suis actuellement sur ma réflexion. Oh, cette salle, elle est ignoble dans le jeu, de base. De toute façon, c'est une phase que j'aime pas des masses. Hein, enfin, que j'aime pas des masses. En vrai, ça va, mais... ça va parce que c'est que là, mais... Donc c'est une phase d'infiltration, quoi, dans le jeu. Dans Breath of the Wild. Je vous avoue que là... Et aller en mode bourrin, c'est bien. Non, mais non, c'est pas par là. Et en plus ça, tu peux venir, s'il te plaît. Oh, y'a un Korogu là. Petit Korogu. Ok. Bon, là, on va faire un petit carnage. Nimpo. Tonneau explosif. Ah bah, et en plus, j'ai level up, du coup, je re-Nimpo. C'est trop bien ce perso. Juste trop bien ce perso. Voilà. Aucune objectivité, hein. Juste que bon bah j'adore la jouer. Donc promis, je vais essayer de pas faire que ça, mais en vrai ça va parce que Link aussi il est très bien. Enfin, en vrai, je pense que c'est Daruk le perso pour l'instant. Daruk ou Noya, que pour l'instant j'ai le moins de kiff à jouer. Mais je suis pas en mode non plus, c'est insupportable de les jouer, quoi. En vrai. Donc, bon. Y'a aucun perso que je déteste vraiment. Je fais quoi, là? Ah non. Ah non, hein. Oh non. Non, Impa, tu restes là. Par contre, on va y aller avec Urbosa. Alors. Non, c'est ça. Ouais, je pouvais passer de l'autre côté, mais... Tant pis. Tant pis. Là, c'est parti pour marcher. Enfin, courir, mais... Alors, comme ça. Même si je suis pas sûr que ce soit plus rapide. Ah, bah ça y est.
Non mais fais ça. En fait fais ça, comme ça ça recharge son ta foudre. Je pense que c'est bon plan. Oui, Robo ça elle est pas mal aussi hein. Pas se mentir, Robo ça. Robo ça elle déboîte bien. Hein. Ouais. Vous m'intéressez, hein. Ouais, ouais. Oh là, là, ça sent les Kurogu. Ah bah, regardez, coffre. Non, mais ouvre le coffre. Ouvre ton. Bon, j'espère que l'éclaireuse, elle s'en sort. Hein. Hop, level up. Aïe. Non, mais. Ah mais... Ouais. Il y a encore les sauts muraux, ça j'ai encore du mal hein, pour le coup. Ah non mais attendez. Ouais elle sort automatiquement son paravoile en fait. Ok. En vrai, je vais essayer quand même de focus l'éclaireuse assez rapidement parce que. Mine de rien, ça fait un petit moment. Dit-il avant d'aller dans un coin de la map. À la recherche d'un Kurogu. Oh, ils vont se calmer là! Ouais, ouais, c'est ça. Hop. Non mais. Calme-toi. Et prends le Kurogu. Ouais. Non mais attendez, hein. C'est quoi? Ouais non, c'est pas du tout au bon endroit là que je vais. Ouais ouais. C'est là-bas. C'est là. Ah, par contre, on va détruire. Mmh. Très bien. Une salle vide. Comment elle s'en sort? Ouais, non, bah. Ouais, ouais. Pas elle faire une sa game, mais. Bon. On va dire que ça va débloquer l'entrée de l'autre côté et je serai content de l'avoir là. Aïe. Ah non, les pics, d'accord, ils montent pas plus haut que ça en fait. On va faire ça. D'accord, le jeu. Jeu qui a micro-freeze. Là du coup il a craint le feu. Parce que c'est vrai que la faiblesse des ennemis de foudre je sais jamais hein, honnêtement. Enfin je sais jamais. Dans BOTW y en a pas quoi. Il me semble. Y a pas d'éléments qui les one shot. Mais Ah bah salut hein. Clé d'une porte secrète, je vais prendre, ils l'ont récupéré. Ah, ils sont vénères hein, quand ils essayent d'arriver chez eux bah, discrètement. Hein. Mais non, mais. Sérieusement. Arrêtez-vous. Ah, ouais, bah non. Je pourrais pas me prendre ce coup là. Ouais.
Mouais. Juste mouais. Ok. On a la clé. On peut avancer, nickel. Ouais, voilà. On va vers là. Ah oh, mais c'est bon, d'accord, tout le monde est TP. Va pas là. Oula, non mais au secours. Ah, plus qu'un symbole. Mais non. Non. C'est pas le bon plan. Ah, il a du mal à prendre des dégâts quand même. Hein. C'est compliqué. Hein. Tant bien le support. Non. Non, à chaque fois je sais. Ne sois pas. Hein. Ne sois pas désolé. Je vais te faire dérouiller. Ah bah là c'est les bombes. Bon, elle avait pas visé au bon endroit mais ça s'est passé. Aïe. Mais non. Esquive dans ta vie, esquive. Ah, je peux pas faire de coup de poing faible quand il lance Inétis, ok. C'est une question que je me posais. Non, c'est ça. Ah, ça brille un peu, hein. Tout petit peu. Mais non. Aïe. Mes clones à queue. Ouais, dur. Pas encore fini. Hein. Mais ceci dit, pas encore fini. 10 saphirs bruts. Du coup, on va prendre du robot 5. Hop, histoire de changer un peu. Pas toujours prendre le même perso. Et parce que bon, Impa, mine de rien, je crois qu'elle est level. Je sais pas combien là. Attendez, j'ai. Ah, level. Je pensais qu'elle était plus que level 30. Mais bon. Non mais bordel. Donc faut vraiment taper toutes les caisses même quand il y a des caisses à côté quoi. Ah. Saloperie de Korogon. Ah, y'a une... Je crois que c'est la première fois que je vois l'animation pour voir le coffre. Est-ce que du coup Link, vu qu'il a pas d'armure, s'il ouvre un coffre, il se fait mal. Ah tiens toi. Donner du fil à retordre. Mais je m'en fiche pas mal. Je m'en fiche même complètement. Et vous savez pourquoi? Parce que vos vies s'arrêtent ici et maintenant. Si tout se passe bien.
Aujourd'hui, ici même, le chef suprême des Yiga, le grand Koga, va vous exterminer tous autant que vous êtes. MDR. Oh, attendez, hein, je crois qu'il a la cam, voilà. Et si je gèle tout ça? Tu peux réussir, non? Ah mais non, il faut viser. Faut le viser quand tu fais ça. Ah, je commence à me demander si on allait le combattre, Koga. Hein. Parce que bon, on a Soupa, qui a l'air bien plus vénère, mais... D'ailleurs, ça se demandait aussi comment ça se fait que ce soit lui qui dirige. Hein. Mais bon. Je sais pas si on aura des infos ou quoi. Pour le coup. Et si je gelais tout ça? Et bam! Hein? Ah bah ouais. Ah bah ouais, salut hein. Ah. T'es là toi. T'es revenu. Et voilà. Et si je jette tout ça? Ah ouais, non, alors ça par contre c'est pas drôle. À part si t'as Zelda, c'est pas drôle ça. Si j'utilise ça. Mais non, mais. Bon, j'ai plus cancel. Cancel les dégâts. Allez. Ou une partie en tout cas. Et si je gelais tout ça? Oh non, ça l'a pas touché. Oh non, 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 non. Maintenant. Non mais. Si j'utilise ça. Alors, par contre, ça c'est gratuit. Ça c'est cadeau. Ça il me l'offre. Ah, oh, j'ai plus cancel. Mais non mais. Pas du jeu. Et si je gelais tout ça? D'accord. Ah oui, ok. Je croyais que c'était Koga qui faisait ça. En fait, non. Il faudrait que je lock le bon ennemi un jour. Secours. Mais non. Non mais. Merci. On va y arriver hein. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Ah ouais. Ah non mais c'est bon, c'est bon. M'a saoulé. Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà. Là, j'ai décidé de te massacrer en fait. Juste. Ouais, s'il avait tanké, je l'aurais mis le 1 instant. Instant. Du coup, il y avait déjà ce trou. Le grand trou de mort là. Ouais, ouais. Toujours. Hein. El famoso trou. Qui level up? Level up.
et pas mal de récompenses qui font plaisir au camp. Et mine de rien, l'épisode. Dis donc, toi. Tu nous as raconté des bobards, hein? Il m'est impossible de laisser passer un tel affront. Absolument. Maître voyant. Tout était prédestiné. Même cette défaite. Hein? Mais je vous préviens, si jamais vous décidez de vous séparer de moi, vous deviendriez aussitôt des ennemis du fléau Ganon. Oh. Oh. Sage décision. Le gang des Yiga est indispensable à la réalisation de notre grand dessein. Continuons à coopérer, vous et moi. Oui. Et œuvrons à la résurrection du fléau. Ouais. Toujours cinématique, hein. Ces tours Sheikha, on dirait bien qu'elles vont nous rendre de grands services. N'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Oh! Prua, ne nous fais plus de telles frayeurs. Je suis désolée. Mais bon, cette fonction est vraiment fascinante, non? Alors, pour l'instant, je ne peux pas transporter beaucoup de personnes et le nombre de destinations est limité. Mais en poursuivant mes recherches, je pourrais peut-être encore améliorer ça. Heureusement, de nombreux chercheurs nous ont rejoints ces derniers temps. Avec ces recrues, nous allons pouvoir redoubler nos efforts, hein? Voilà qui est rassurant. Avec toi à nos côtés, au moins... Enfin... Sache juste que je compte sur toi, Prua. Pendant que Zelda est en pleine crise existentielle. Et crise de confiance aussi. Mais ouais, j'allais dire, mais oui, enfin, le fait qu'on puisse se téléporter, on le fait depuis le début du jeu. Je veux dire, quand on voyage dans d'autres endroits, quand c'est l'émission principale, on y va en paravoile, mais sinon on se téléporte. Mais effectivement, elle a pu téléporter plusieurs personnes en même temps. Et ça, c'est pas rien. Aïe, 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 aïe. Au secours. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Ta 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 ta. A ta ta. C'est quoi ce symbole là? Ouais, ouais, tout là. Les preuves antiques, les puissants. Hein? Hein? Une voix perce soudain le silence et des mots de lumière dansent devant vos yeux. Seuls ceux qui triomphent de l'épreuve des puissants peuvent prétendre à notre pouvoir. Hein? Il manque, ouais, bon, il manque, d'accord, il me faut des certificats d'INEL, d'accord, mais hein? Et ça là? Bah, du coup, ça on l'a. Les monstres. C'était vraiment impressionnant. Mmh. D'accord. Ok. Épreuve du guide. Ça, je comprends pas. L'épreuve du guide Mimic Kyoza débloqué. Pourquoi j'en ai 1 sur 3? Comment ça? Je comprends pas. Bon. Écoutez. Ah, mais. Hein? Récompense. Ah, c'est que la récompense, il faut que je... D'accord, il faut que j'ai tout pour débloquer la récompense. Ok, je crois. Bah, très bien. Bah, écoutez, donc là, la prochaine quête, c'est ici. Il faut que je sois niveau 35, donc en vrai, je vais sûrement enchaîner, hein. Histoire de, et je ferai plein de quêtes secondaires après. Donc bon, moi, je vous dis à la prochaine pour la suite, hein, pour pas que l'épisode soit trop long. Portez-vous bien. Bye bye.